pense que le succès, c'est relatif à tout le monde, puis dépendamment de tes ambitions, ça va juste prendre la place que ça a à prendre. Dans ma tête, c'est juste d'être heureux, dans le fond. Si t'es heureux avec une soupe Plimpton par jour, puis un paquet de cigarettes, puis que t'es cœur pas le monde, puis t'es bien avec ça, ben, tant mieux. Puis si t'as besoin de plus, ben, tant mieux aussi, dans le fond. Ce qui est important, je pense, c'est d'être bien avec soi-même. C'est ça le succès, t'sais. Je suis pas mal plus en retard que d'avance dans la vie. Ceux qui me connaissent savent. Mais je travaille là-dessus. Puis j'en suis conscient. Puis je pense que c'est ça qui est important. J'essaie de prioriser mes journées. Puis des fois, je déborde à des places parce que j'ai priorisé à quelque part d'autre. Puis c'est pas par mauvaise intention pour l'autre personne qui vient dans l'autre meeting après. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai des choix à prendre. Puis j'ai pas le choix. Fait que... Pour vrai, mon pick-up, je l'aime vraiment. Si j'avais à upgrader ce pick-up-là, je pense que j'irais soit par un Tundra TRD de même, mais modifié, ou un Ford Raptor. Je sais pas si c'est un dream car, mais quand je vais changer la petite fit grise qui a de la misère à partir dans le fret, je pense qu'il y a une petite Mercedes AMG Grima, là. J'aimerais vraiment ça, mais mon budget me le permet pas. Mais un jour, peut-être, ça sera mon char d'épicerie, la petite AMG Grima. Ouais. Ah, je suis vraiment une night person de nature, mais j'apprends à être une morning person, puis j'aime vraiment ça, puis je le suis de plus en plus, en fait. Quand j'étais plus jeune, je me levais à midi. Quand j'ai vieilli un peu, maintenant, c'était plus 9-10 heures. Je respecte beaucoup mon sommeil, puis j'écoute beaucoup mon corps pour savoir quand je manque de sommeil, tu sais, puis je sais que c'est important. Je peux le faire à court terme, mais à un moment donné, je sais que je brûle la chandelle par les deux bouts, fait qu'il faut que je rattrape, dans le fond, ce sommeil-là. Fait qu'à un moment donné, je vais juste pas mettre de cadran un matin, puis je vais juste oversleep de 2-3 heures pour rattraper. Je sais que j'ai fait une grosse semaine la semaine d'avant, fait que je suis vraiment conscient de ça, mais je suis pas mal plus une pas morning person, mais j'aime quand même ça me lever le matin. Fait que je pense que je suis ambidex par rapport à ça. Je suis des deux bords. Je suis un ambivert. C'est quoi un ambivert? C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter selon la situation. Ceux qui me connaissent dans des contextes que je suis bien, bien à l'aise, je peux être vraiment loud. Puis il y en a sûrement qui m'ont déjà vu dans des contextes où je me sens pas super à l'aise, fait que je vais être très, très quiet. Puis j'écoute beaucoup, puis j'essaie de comprendre comment on se situe dans cet environnement-là. Fait que je suis vraiment un ambivert, je pense. C'est vraiment ça.